Et quand j'ai vu les solutions maison être développées, mises à jour, maintenues, déployées, on arrivait à des coûts qui étaient de l'ordre du x3, x4, x5, des fois x10. Avoir des moments de doute, c'est normal. Et c'est même plutôt sain. Ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeur à manager, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les deux semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute. Salut Julien, donc comment ça va toi aujourd'hui? Salut Pierre, ça va Très bien, c'est euh, férié ici au Portugal, c'est le jour de la République. Euh, donc euh, donc c'est cool, une bonne journée à ne rien faire. Euh, Figure-toi que je lisais un article il y a pas longtemps qui parlait à peu près de ça, ça parlait du, du, du temps de plaisir, comment prendre du temps pour soi, etc. Et ça disait un truc qui était assez intéressant, que je m'étais déjà dit, mais pas vraiment formulé comme ça, c'était prendre du temps pour soi, c'est pas faire quelque chose pour être plus productif au travail après. Tu vois on a tendance à se dire ah ouais je vais prendre du temps pour moi je vais me reposer et tout mais si derrière c'est se reposer pour demain pouvoir performer au travail tu vois c'est tu as quand même, as quand même une sorte de charge mentale je trouve associée et du coup j'apprends en ce moment à vraiment ne rien faire ou alors faire des trucs pour moi mais tu vois genre me sentir improductif et et apprécier ça quelque part c'est assez nouveau pour moi donc voilà, aujourd'hui c'est journée improductif, même si au final, on se retrouve à parler boulot au podcast, mais c'est un peu différent. <laughs> à la n'hésite pas à me demander des conseils. Ça, je, je sais faire, comment être improductif. Il n'y a, a aucun problème. <laughs> euh, non, moi, de mon côté, ça va. Bah là, l'équipe de France joue demain, donc euh, hâte de voir. Bon, ça ne devrait pas être très surprenant, le score, mais bon, <laughs> on ne sait jamais. Donc, euh, hâte de fêter ça et le week-end. <laughs> Alors aujourd'hui du coup on se retrouve euh, pour discuter. Alors c'est un sujet qui est un petit peu vague. Euh, on en discutait avec Julien autour du, du titre. Le programme qu'on propose aujourd'hui, donc c'est où faire et ne pas faire des économies, euh, dans l'idée en fait de maximiser ses coûts. Euh, c'est un sujet assez large, on pensait appeler ça euh, euh, comment faire une bonne low-cost euh, approche euh, des des coûts dans votre entreprise ou même au niveau personnel quand vous organisez. enfin On en avait plusieurs idées, mais je pense que l'idée principale à retenir, c'est comment maximiser ces coûts. Euh, toujours avec cette idée de, en gros, comment chaque euro que vous investissez, que ce soit au niveau de votre organisation, personnellement, à, à, à plusieurs niveaux, si vous êtes tout seul ou à plusieurs, mais c'est vraiment comment est-ce que pour chaque euro investi, j'en tire le maximum. Euh, et donc, on voulait discuter un petit peu voilà, des, des, des points qui nous paraissent importants, euh, des erreurs que nous, on a pu voir euh, ou qu'on... Encore euh, dans les organisations où on a pu aller et un petit peu la, la bonne mentalité à avoir, euh, de ne pas chercher à être complètement cheap, euh, ne pas chercher non plus à montrer qu'on est bling-bling, à bling, <laughs> jeter de l'argent partout, euh, surtout s'il n'y a pas de retour derrière. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Ouais, un sujet, euh, sujet d'actualité, hein, comme, euh, comme toujours avec là, un peu les, les cycles économiques. Il y a beaucoup d'entreprises, à chaque fois que je lis les news tech, c'est j'ai l'impression que ça fait ça doit faire six mois donc an que c'est vraiment comme ça comme ça tout le temps euh, c'est ben, Google qui euh, encore récemment là ils ont ils ont coupé genre, 50% de leur équipe de recrutement euh, qui qui veut vraiment dire ben voilà on va peut-être se calmer un peu sur le recrutement sur les années 2024 2025 euh, donc euh, c'est c'est très très trendy, très actuel d'essayer de, d'optimiser un petit peu et, et je, je lisais aussi au niveau des, des, des leaders tech, euh, il y avait un peu de la frustration en ce moment et même au niveau des, des développeurs et un peu de la frustration qui, parce qu'on se retrouve un petit peu moins sur des projets euh, fancy sur euh, créer des nouveaux trucs, être super créatif, euh, prendre des risques et tout mais plus bah, à, à optimiser son infrastructure, optimiser ses coûts, à optimiser ses outils, euh, essayer de, de maximiser un peu la performance de, de l'équipe. Mais je pense que bah, ces cycles-là, ils sont importants. Parfois, il faut, il faut diverger à fond, il faut être créatif et peut-être investir un peu plus, euh, prendre un peu plus de risques euh, financiers. Il y a des moments où il faut, euh, il faut, il faut redescendre et peut-être se, se prendre, un, prendre un peu de recul et optimiser un petit peu tout ça. On se demander, est-ce que je maximise vraiment euh, euh, voilà, donc on voulait vous parler de, de ça aujourd'hui et assez intéressant euh, on a on a commencé à travailler un petit peu sur euh, enfin de, on a commencé à voir un peu de quoi on peut parler en fait il y a ouais, beaucoup de choses à dire que <laughs> on peut partir en toutes les directions mais on va essayer de, de rester sur <laughs> surtout des, des points assez précis et en même temps euh, applicables euh, on va alors un premier point que je voulais mettre en avant donc quand on quand on va utiliser le terme de low cost, une approche low cost, euh, l'idée c'est euh, pas de dire du pas cher, c'est justement que c'est en fait que le coût soit bas mais on ne cherche pas forcément à aller au moins cher et c'est très important. Euh, je tiens surtout à le dire parce qu'on est en France et on a vu tous les deux la différence entre la mentalité française qui est de malheureusement parfois aller toujours au moins cher ou à ce qui coûte le moins mais qui n'est pas forcément le moins cher. Euh, on n'est pas dans l'ordre mais je vais donner par exemple l'exemple le plus parlant que j'ai vu nombre et nombre de fois en France et au Royaume-Uni. Alors évidemment, ça arrivait quelques fois, mais la question se posait beaucoup moins. Euh, je vais commencer directement avec, par exemple, le fait d'utiliser un service payant ou le fait de développer une solution interne ou maison, comme on dit parfois. Euh, le nombre de fois où en France je l'ai vu faire de dire :« Ah non, 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 on va pas prendre ce service-là. T'imagines, ça nous coûterait 100 euros par mois. 100 euros par mois, tu te rends compte tout ce qu'on peut faire avec. Et à chaque fois qu'il y avait ces discussions-là, je me disais :« Mais 100 euros. » par mois, ou même prenons l'exemple, 1000 euros par mois, on n'est même pas sur la moitié ou le tiers du salaire d'un ingénieur. Et quand j'ai vu les solutions maison être développées, mises à jour, maintenues, Déployé, on arrivait à des coûts qui étaient de l'ordre du x3, x4, x5, des fois x10, autant que ça prenait, puisque souvent c'était par un ingénieur, mais on en mettait plusieurs. C'était, euh, ça marchait pour le besoin qu'on avait là, mais il fallait faire évoluer. Et donc au final, on se retrouve en fait avec quelque chose qui, au final, nous a coûté bien plus cher à produire que si on avait utilisé un service. Donc le premier point vraiment, c'est vous dire toujours, oui, mais ça coûte cher. Dans ces cas-là, faites un calcul tout simple. Vous demandez à vos ingénieurs d'estimer combien. De temps va leur prendre la solution à produire en interne et vous faites tout simplement un calcul du coût. Combien vous payez votre développeur à la journée Combien de jours il y a besoin pour juste le produire Sachant que derrière vous allez devoir le maintenir, vous allez devoir certainement le déployer, le mettre en place, toutes ces choses-là. Donc prenez bien tout ça en compte et ensuite voyez ce que permet de faire les, les services. Aujourd'hui, on n'est plus sur un ou deux prestataires qui vous sortent une solution qui marche à peu près. On parle littéralement de dizaines et de dizaines de SaaS euh, qui vous proposent la même solution à des prix où du coup bah, ils se défient entre eux au niveau des prix, donc les prix sont vraiment tirés vers le bas, et généralement vous en sortirez toujours à moins cher à utiliser un service payant, même avec du scaling, euh, de toute façon si ça scale techniquement c'est que ça marche, donc ça vous rapporte plus que ce que ça vous coûte, et donc toujours, toujours, toujours comparer les solutions qui existent déjà avant de vouloir faire quelque chose en interne. Le, la seule chose que je pourrais dire qui sortirait de ce cas-là, c'est si vous avez vraiment un besoin qui est ultra précis ou... Personne ne propose ce service-là, et là vous avez un peu pas le choix, j'ai envie de dire. Mais dans ces cas-là, je dirais aussi, est-ce que vous n'avez pas un intérêt à ne pas juste faire votre service pour vous, mais peut-être l'offrir aux autres qui pourraient se retrouver dans la même solution? Donc là, c'est vraiment le cas que je mets à part parce que non seulement il faut le faire en interne parce que vous n'avez pas le choix, mais surtout c'est que derrière, il y a peut-être même une idée de, de revenus supplémentaires pour votre entreprise. Ouais, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les, dans les startups, et pas que euh, avec des, des entreprises qui une startup je sais pas qui va avoir une idée qui va commencer à se, à se lancer là dedans euh, qui cherche un peu son product market fit mais qui le trouve comme ci comme ça et qui au bout d'un moment se retrouve avec un besoin hyper spécifique euh, le développe en interne parce que c'est un produit qui existe pas et finalement se rend compte que, ben, bah, ils ont, là, ils ont créé quelque chose, là, ils ont innové finalement et avec une idée qui est plus novatrice et qui a un meilleur market fit, qui a plus de demande que finalement l'idée originale et c'est là où il faut avoir le, la, la confiance en soi pour pivoter et se dire bah attends ça on va peut-être pouvoir l'offrir il euh, y a il y a d'autres exemples après où, où où ils vont open sourcer ça euh, je je pensais à, à Uber qui a qui a développé sa plateforme M3 euh, c'est une plateforme d'observabilité euh, et eux ils ont décidé de carrément juste l'open sourcer directement donc euh, ils n'ont pas fait un autre euh, un autre produit mais au final, ils pourraient presque euh, Uber, juste pour, une, pour la parenthèse, ils se sont Ça sera en 2018. Euh, ils se rendaient compte qu'ils y rentraient 600 millions de points de données par seconde dans leur système. C'est-à-dire, c'est absurde, quoi. C'est vraiment, euh, je, je, je sais même pas ce qu'ils font avec toutes ces données. Mais enfin, vous imaginez avec tous les euh, tous les conducteurs euh, qui euh, qu'ils ont et tous les en gros, ils, ils essaient d'observer un maximum de trucs dans leur système, et, euh, et du coup, ils ont une cardinalité qui est énorme parce que bah il y a toutes les villes, il y a tous les, euh, tous les clients, tous les, <laughs> tout euh, ça, ça part dans tous les sens. Et du coup, ils se sont vraiment retrouvés avec des besoins hyper spécifiques. Et, euh, ils avaient tout développé sur Cassandra qui n'était pas exactement fait pour ça, euh, et du coup, ils se retrouvaient avec du split brain dans tous les sens. Et ils ont regardé un petit peu sur le marché, et ils se sont dit mais en fait, personne peut tenir ce, ce débit là quoi. Euh, J'ai plus, euh, plus les chiffres, mais les, les, les débits en termes de Giga par seconde étaient complètement délirants et ils regardaient sur le marché. Personne n'avait ça et le coût estimé, quand bien même il y aurait eu un acteur, c'était genre 65 <laughs> millions par an, quelque chose comme ça. Et là, bah, ça peut valoir le coup de prendre une équipe de euh, 10-15 personnes et de les laisser travailler à plein, à plein temps euh, dessus. Là, tu fais des économies, quoi. Mais euh, pour revenir à ce qu'on disait, en général, développer une, situation, une, une solution in-house, euh, en interne, c'est pas... Euh, faut vraiment se poser la question, est-ce que je crée de la valeur pour mes utilisateurs en faisant ça Est-ce que c'est mon cœur de métier Est-ce que je vais apprendre quelque chose euh, en, en développant ça Sinon, bah, peut-être je peux laisser faire des gens dont c'est le métier, finalement. Parce que faut aussi euh, garder en tête que bah, ces entreprises-là, ces produits, ces SaaS qu'on va utiliser, ils ont des... Chef de projet qui travaillent dessus. Ils ont des, ils ont toute une entreprise qui se demande, elle, cette question-là, comment est-ce que je rends ce service-là, comment est-ce que je suis le meilleur sur le marché pour résoudre ce problème-là, alors que pour vous, ce sera toujours un problème un petit peu annexe, un peu pourri, où on se dit, ah ben non, mais euh, je, je, mon, mon service, c'est ça, mais ben, du coup, j'ai ce besoin-là, mais en même temps, j'aimerais bien pouvoir mettre de l'énergie et, et du développement et, et de l'argent sur mes utilisateurs, mais je me retrouve toujours avec ce à maintenir ce projet un petit peu pourri sur le côté. Et puis en plus... Derrière, il y a le, cette espèce de coût irrécupérable où plus on investit dedans et plus c'est difficile de se dire Ah, bah attends, maintenant, euh, non seulement je vais devoir tout foutre à la poubelle et payer pour un autre service, mais en plus, il y a un coût de migration euh, qui, va, qui va devoir être fait il y a toute une, euh, une transition qui va devoir être faite. Donc tu continues à creuser <laughs> ton trou et euh, c'est pas, pas une situation. C'est pour service là qu'il y a toujours moyen à terme, si vraiment voilà ça devient un gouffre financier, de toujours le rapatrier euh, euh, en interne. Mais là où où vous savez vraiment qu'il y a une grosse économie à faire et là où pour le coup vous pouvez mettre plusieurs ingénieurs sur le coup comme tu disais euh, mais je, 95% du temps 99% même du temps je dirais surtout quand vous commencez à avoir un besoin et vous avez besoin d'une solution rapidement euh, vous allez gagner en temps vous allez gagner enfin, à tout point de vue et surtout comme c'est le, le but du podcast d'aujourd'hui au niveau financier euh Ouais, on, on parlait des calculs de coûts euh, rapides je, je faisais un petit peu des calculs avant le, avant le podcast alors globalement pour un développeur payé à 100 000 alors tous les développeurs sont payés à 100 000 mais bon pour faire un, un ordre de grandeur euh, avec en fonction des impôts etc ça, ça, on, on tombe déjà à peu près en gros on est à peu près à 100 euros par heure personne donc si tu fais une réunion d'une heure avec 100 développeurs en coût pour l'entreprise je dis à peu près 100 euros par heure fois mettons 5 développeurs pour une réunion d'une heure ça te fait 500 balles la réunion déjà donc rien que le fait de, de commencer de faire une réunion pour réfléchir à quel est le besoin pour euh, pour ce service pour ce produit etc c'est déjà tu peux déjà te payer <laughs> peut-être six mois un an de ce service, d'un service avec ça quoi et, euh, donc, et, et comme tu disais il y a le coût de la création du produit mais on oublie toujours qu'il y a le coût de maintenance et ce coût là il est toujours toujours sous-estimé et c'est un coût récurrent en plus donc ça veut dire que c'est pour toujours et ça va grossir en plus sûrement euh, donc, euh, donc, non, faites-vous faites une, euh, <laughs> faites -vous une euh, faveur. Comme on parle des, des postes de dépenses, il euh, y, y en a aussi. Alors, att on attend toujours que l'IA euh, remplace les, les développeurs, puisque c'était. Alors, je, je le vois beaucoup moins maintenant. Hein. C'est, mais c'était trendy encore il y a, il y a quelques mois euh, cette fameuse cette fameuse promesse. Euh, par contre, ce qu'on a vu arriver, donc là, on parle maintenant d'il y a plusieurs années, c'est ce qu'on appelle le low code ou le no code, qui est aujourd'hui en fait de permettre à des gens qui ne sont pas des développeurs d'accéder à des solutions techniques euh, qu'un développeur aurait pu réaliser lui-même. Et là, pour le coup, par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont changé. Donc, euh, je vais prendre mon cas particulier, donc euh, la, la majorité... Euh, de, de mon expertise et dans le front-end euh, principalement. Et là où par exemple j'ai réellement vu et j'ai moi-même été le premier à dire qu'il fallait arrêter d'utiliser le temps des développeurs pour ça, c'est tout ce qui va être les landing pages, les sites qu'on appelle de brochures, euh, le site où vous avez les, euh, où présentez votre mission, vous présentez vos produits, vous avez votre euh, page avec vos, vos vos prix, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on a des dizaines et des dizaines d'outils qui permettent de faire des pages qui sont excellentes et à tout point de vue, design, le template, vous pouvez vraiment customiser au maximum. Vous vous avez les best practices au niveau du SEO, absolument tout ce qu'un développeur devrait faire en ayant les best practices, en suivant les, les meilleures pratices, pratiques euh, de développement. Aujourd'hui, vous avez des outils qui vous le proposent directement. Euh, il y en a vraiment... Trois auxquels je pense aujourd'hui, c'est vraiment donc comme je disais, les landing pages. Vous avez aussi tout ce qui va être autour des emails. Euh, il faut savoir que déjà en plus, les développeurs d'artificial n'aiment pas travailler avec les emails puisqu'on euh, est sur des normes HTML et CSS qui sont extrêmement datées et qui n'évoluent pas puisque les messageries n'évoluent toujours pas là-dessus. Euh, donc on doit toujours avoir des... des des fallbacks qui sont toujours sur des vieilles versions. Donc, les landing pages, les emails, tout ce qui va être pour faire vos templating, si vous voulez avoir euh, des images, des choses comme ça, utilisez Mailchimp, euh, utilisez tout, toutes ces solutions-là. Pour les landing pages, vous avez Wiz, vous avez HubSpot, vous avez énormément d'outils. Et aussi pour le recrutement, donc souvent, là, on parle plus d'un process de recrutement mais euh, vous allez peut-être vouloir faire quelque chose où vous avez un suivi peut-être dans un Excel et tout ça vous prenez pas la tête euh, prenez des outils euh, je crois que c'est euh, euh, job sailor euh, vous avez lever vous avez il y en a beaucoup 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 d'outils euh, greenhouse euh, aujourd'hui qui vous permettent à des prix Très, très, très raisonnable d'avoir vraiment un, un flot de recrutement avec même un site où vous pouvez mettre à jour vos annonces, où vous avez, où les gens peuvent même poser des questions. Vous pouvez avoir des, des templates directement pour que les candidats remplissent déjà des informations. Euh, vous allez avoir un gain de temps énorme. Donc, toutes ces choses-là, à nouveau, faites-vous une faveur. N'utilisez pas le temps de vos ingénieurs ou de vos développeurs là-dessus. Laissez-les travailler sur vraiment la, la valeur la valeur que vous voulez apporter à votre produit, votre service, toutes ces choses-là, laissez, donnez-les à quelqu'un qui n'est pas développeur euh, avec des outils de no code ou low code, ou alors voilà, un projet pour peut-être un junior ou, ou même quelqu'un. Par exemple, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui le marketing euh, qui contrôle complètement tout ce qui va être les landing pages et tout ça. Le bonus en plus, c'est-à-dire que quand ils font des campagnes ou alors des euh, enfin pardon, des campagnes de publicité, ils peuvent aussi créer les pages eux-mêmes directement. Donc il n'y a même pas besoin de faire appel à l'équipe tech, ils peuvent directement s'en occuper eux-mêmes et vous verrez que vous allez avoir une équipe qui va être bah, du coup avec beaucoup plus de compétences qu'elle détient elle-même et qui du coup va pouvoir aller beaucoup plus loin dans les propositions euh, de, de projets, euh, surtout sur des, des campagnes marketing. Ouais, ça permet, euh, ça te permet d a, d a, de, de rendre les, les équipes plus autonomes finalement plutôt que d'avoir une équipe qui Exactement. est une mini agence web dans l'entreprise et que tout le monde leur demande, euh, est-ce que tu peux avoir une landing page pour tel ou tel nouveau produit Ou finalement ça scale pas parce que finalement plus tu vas avoir de produits et plus le reste de ton entreprise va grossir, plus bah, tu vas devoir faire grossir cette petite agence en interne. Euh, donc le coût il va, il, il va rapidement, il va rapidement exploser et après ça, ça peut créer des délais, etc. C'est beaucoup plus difficile de scaler une équipe que de scaler juste un service quoi. Euh, donc ça revient toujours à quelle est la mission de l'équipe moi j'aime bien toujours revenir à ça est-ce que la mission de votre équipe c'est de, de créer des, euh, des landing pages des, euh, des nouvelles pages produits pour votre site etc ou alors est-ce que c'est d'attirer de nouveaux utilisateurs est-ce que c'est de convertir des nouveaux utilisateurs et si c'est le cas eh, peut-être c'est mieux que cette équipe puisse prendre plus le temps d'aller justement explorer des, nouveaux, euh, des nouvelles tendances euh, de, de SEO ou de, euh, de, de marketing, euh, d'aller euh, essayer de, juste, juste de, de maximiser leur, leur funnel de, de, de conversion, plutôt que passer du temps à écrire, euh, à écrire des, des webpages Tout à pour, euh, pour d'autres équipes. Un hein, point aussi, donc, du coup, euh, qui, qui est lié d'une certaine manière. Si jamais ces compétences-là, pareil, vous ne les avez pas en interne, euh, n'hésitez pas à faire appel à des ressources extérieures. Donc, un point aussi sur, justement, comment maximiser. Donc, le CDI... Le CDD et le contracteur. Euh, le contracteur n'est pas un CDD, je, je tiens à le rappeler, c'est deux choses différentes. Un CDD, c'est quelqu'un qu'on a besoin temporairement, on va dire, sur un spectre qui est plutôt large, c'est-à-dire on vient rajouter de la puissance à une équipe euh, sur quelque chose d'assez assez large. Un contracteur, ce sera plutôt sur une mission précise, là où on cherche vraiment une, une excellence technique ou une compétence technique que l'entreprise n'a pas et n'aura certainement pas besoin dans le futur auquel cas, c'est le CD. Euh, pareil, faites les bons choix. Euh, à nouveau, quand vous êtes au début, donc là, je parle plutôt pour les startups ou les gens qui sont en train d'être dans des scale-up, euh, préférez des CDI, surtout si vous voulez voilà avoir des gens qui, dès le début, donnent une bonne direction à votre entreprise, que vous espérez garder assez longtemps euh, pour garder tout, tout leur savoir et la connaissance qu'ils ont eu d'avoir un petit peu, on va dire, créer le, le bébé. Euh, ça, c'est vraiment les, les points importants au CDI, assurez, enfin, dans le CDI, assurez-vous de recruter des gens que vous voyez sur le long terme rester avec vous. Et justement, quand vous faites un recrutement, alors on re- bague un peu sur l'épisode de la dernière fois, mais euh, mais quand vous prenez quelqu'un pour un CDI, assurez-vous que c'est quelqu'un qui a de la vision dans le long terme et qui n'est pas juste là parce que vous avez aujourd'hui un cas pratique qui est intéressant qui, qui amène la personne à vouloir vous rejoindre, mais assurez-vous que ce soit l'entièreté de votre entreprise qui l'intéresse. Là, vous, vous allez avoir un très bon candidat pour un CDI. Si jamais vous, vous avez, comme je disais, voilà, un, un client qui vient d'arriver, vous avez une surcharge de travail et vous avez besoin de voilà de renforcer vos équipes pendant six mois, un an. Proposer des CDD euh, à des personnes et encore une fois, si vous avez un besoin très précis, très euh, alors je vais prendre l'exemple tout bête par exemple, euh, si vous avez besoin de faire un test de sécurité, vous avez besoin d'un pentester, vous avez besoin de faire un audit de sécurité. Là typiquement, vous allez vous adresser à des entreprises externes euh, ou alors à des contracteurs euh, individuels ou plusieurs. Mais c'est typiquement le genre de choses dont toutes les entreprises ont besoin, mais uniquement ponctuellement. Euh, évidemment, au bout d'un vous allez vouloir avoir quelqu'un en CDI permanent qui s'occupe de votre sécurité mais euh, c'est et surtout dans le cas de la sécurité c'est important de faire appel à des externes donc euh, à nouveau euh, pensez bien à Comment investir l'argent Est-ce que c'est, pour le coup, sur le long terme Est-ce que c'est sur le court terme Ou est-ce que c'est sur un besoin, on va dire, exceptionnel euh, Voilà. À nouveau, réfléchissez bien, comprenez ces postes. Euh, il est arrivé trop souvent que je vois les entreprises, des gens qui ont été embauchés à la base parce qu'il y avait un besoin, mais en CDI. Et les gens sont toujours là, malgré que le besoin pour lequel ils sont arrivés n'existe plus ou n'est plus aussi important qu'avant. Donc, euh, réfléchissez bien euh, sur, sur le type d'embauche que vous voulez faire ouais c'est quelque chose que j'ai vu euh, que j'ai vu aussi euh, dans dans le passé nous après ça peut se passer de différentes façons tu vois, ça peut être euh, bah, la, la mission euh, de la personne évolue et puis finalement la personne découvre des nouveaux trucs etc et ça se passe bien mais il y a aussi euh, on voit ça surtout dans les grosses entreprises je trouve plus 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 souvent en tout cas où, euh, où finalement bah, cette personne c'est pas trop ouais, va continuer à il continue un peu dans sa mission même s'il n'y a plus vraiment trop de besoins et c'est comme ça que, que tu vas te retrouver avec quelqu'un qui va juste ouais. qui va faire de la de, de l'over engineering sur une solution ou sur un problème qui va c'est finalement cette personne-là elle a un temps illimité pour faire un truc qu'il n'y a pas exactement de, de besoin particulier, du coup il n'y a, y a, y a pas cette contrainte finalement. On dit souvent que la, la contrainte elle, elle crée la créativité. Et finalement, quand, tu, quand tu prends un contracteur, tu lui dis euh, bah, j'ai besoin de toi pendant deux mois et j'ai besoin de cette solution. Bah, il, tu vois on va essayer on revient un petit peu sur l'agilité mais tu vois on va essayer d'optimiser un maximum se demander ok quel, quel, comment est-ce que je peux délivrer cette valeur là le plus efficacement et le plus rapidement possible et du coup là tu te retrouves avec une solution qui va être la plus simple possible et j'espère en général la plus facile à utiliser aussi tu vas enlever tous les trucs que tu as peut-être en, en tête les, les petits les petits what if les petites optimisations et tout tout ça tu vas l'enlever et finalement tu vas te retrouver avec quelque chose qui va être assez assez pur quoi alors que si tu as quelqu'un qui travaille pendant des années sur un truc alors que tu avais juste un besoin ponctuel, à la fin tu te retrouves avec un monstre et, euh, et puis en plus ben, c'est un, un peu bizarre puis, puis après les gens ils commencent à dire ah, ouais mais du coup cette personne elle fait quoi machin euh, bref euh, j'ai on en parlait il y a quelques épisodes mais j'ai découvert un peu l'utilisation entre guillemets des, du, du contracting euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques quelques mois quelques années maintenant déjà euh, mais c'était la première fois que je travaillais avec, avec des contracteurs et c'est Trop, trop bien quoi. vraiment vraiment, <laughs> vraiment c'est trop je conseille Essayez. Euh, sur les, les... Ah, du coup je, je continue à nouveau donc là je parlais de sécurité donc il y a, y a des points où justement euh, avoir un peu cette logique euh, de maximiser euh, il faut faire attention et donc il y en a trois principaux que je vois. Le premier que j'ai mentionné, c'est la sécurité. Euh, on sous-estime encore, alors je n'ai pas les chiffres, mais vous pouvez regarder partout, il euh, y a encore aujourd'hui pléthore d'entreprises euh, qui ont des gros problèmes de sécurité. Et généralement, la sécurité, c'est quelque chose qui coûte, mais les gens, c'est un peu le problème, c'est un peu comme une assurance. Euh, J'aime bien y réfléchir en ce sens-là. Euh, souvent, on se plaint parce qu'on paye des assurances, les gens vont chercher à payer l'assurance le moins cher possible, mais le jour où il vous arrive quelque chose et vous avez décidé de rogner sur l'assurance, la plupart du temps, vous le été. Et on parle pas d'un effet de 1 à 10, mais on parle d'un effet de 1 à à 101 à 1000 voire même plus dans des cas graves, euh, la sécurité s'en est clairement. Euh, Aujourd'hui, je ne sais plus c'était il y a quelques mois, il y a eu un casino euh, qui a été attaqué par un grand groupe de hackers. Euh, ils ont non seulement intégré les systèmes, mais c'est-à-dire on ne parle pas juste des machines du casino, on parle du service d'apprentissage du casino, du, si du système de réservation de l'hôtel du casino, on parle des ascenseurs du casino, on parle des du ascenseurs. système de réservation du spectacle du casino, c'est-à-dire l'entièreté de leur business était à genoux. Euh, ils ont n'ont pas discuté plus que ça. Ça a duré des mois. En perte, on se chiffrait à plusieurs dizaines de millions de dollars, euh, sachant que la rançon leur aurait coûté, je crois, 20 ou 30 000 dollars, ce qui reste énorme. Mais ils ont perdu beaucoup plus à ne pas payer la rançon, et surtout, ils ont perdu encore plus à ne pas avoir de bons systèmes de sécurité en place. Et quand ils ont... Donc il y, y a eu des, comment, une investigation qui a été faite, euh, et ils ont réussi à savoir le budget qui était alloué à leur sécurité pour tout leur système informatique. On parlait d'à peine un demi-million par an. Euh, ce qui doit représenter, je pense, en tout et pour tout. Deux pauvres gars qui devaient, je pense, gérer la sécurité pour, on parle plusieurs milliers d'employés, on parle quand même de plusieurs centaines de millions de dollars euh, à l'année euh, entre leurs mains. Donc voilà, euh, c'est. Ouais, c'est oh oui, une oui, casino oui. qui est, est coté en bourse. Euh, la, la perte a temps. été terrifiante le de truc. leur côté. Et encore une fois, c'est le problème de la sécurité. C'est ce qu'on appelle. Souvent, c'est ces choses-là qu'on ne voit pas, qu'on a beaucoup de mal à prévenir, puisqu'on se dit c'est toujours l'intangible, comme on dit souvent. Euh, on ne peut pas le sentir, on peut pas le voir. Mais, et les gens se rendent pas compte qu'on en a besoin jusqu'au jour où ce genre de choses arrivent. Ouais, ça a, un coup de, ça a un coup de délai qui, est, euh, qui, est, qui est assez bas parce que tu peux toujours repousser à la semaine prochaine, etc. Non. Mais par contre, le jour, et tu sais, tu sais, comme tu disais, tu sais pas quand ça va venir, mais le jour où ça tombe dessus, le ouais. coup, là, il explose. Et il y a perte, très là, très, on parle de perte financière, mais chance. comme tu disais, il y a aussi perte de confiance au niveau des marchés, il y a une perte de, de, bah, de confiance aussi auprès des ouais. clients. Euh, donc, non, c'est alors, enfin. On parle de plusieurs années pour s'en remettre, que ce soit financièrement et même au niveau de leurs images, de leur image. Euh, donc euh, plutôt, euh, plutôt dangereux de laisser ce point-là de côté. Donc n'économisez pas sur la sécurité, euh, c'est toujours important. N'allez pas non plus dépenser euh, des fortunes, mais ce n'est pas du tout un point où cette logique s'applique. Euh, un autre point aussi, c'est euh, donc pour moi qui est important, c'est la vision et la direction de l'entreprise. Euh, il faut s'assurer, en fait, donc, comme on disait, on maximise dans ce qu'on met en place pour faire fonctionner l'entreprise, pour faire en sorte que l'entreprise réussisse, euh, de s'assurer toujours que le coût investi sera toujours à minima ramené, voire plus, en excluant évidemment la recherche et le développement aussi. Euh, mais tout ce qui va être pour avoir la meilleure vision, justement, pour prendre les meilleures décisions, euh, n'hésitez pas à mettre l'argent qu'il faut dedans. Euh, c'est très important de ce point de vue-là. Et le dernier, c'est au niveau du bien-être euh, de vos employés, surtout au niveau de la rétention. Euh, on le disait encore une fois, mais un mauvais recrutement euh, ou le fait de ne pas prendre de décision sur un mauvais recrutement vous coûtera toujours plus cher que de, bah, de décider voilà, de, de couper la période d'essai de quelqu'un ou de laisser partir un collaborateur qui n'est pas efficace ou ne remplit plus la mission. Euh, donc c'est vraiment un point clé. Assurez-vous toujours d'investir de, de, suffisamment d'argent. Et là, pour le coup, on ne peut pas penser réellement à maximiser. Puisque c'est très dur de faire une corrélation entre le bien-être ou l'argent que vous investissez pour le bien-être de vos employés et ah bah oui, ça me donne euh, mes, mes, mes développeurs code 15% plus vite ou des choses comme ça. ça vous ne pourrez pas trouver de, de corrélation directe, mais elle existe. Donc surtout, assurez-vous toujours de fournir à vos employés ce qu'ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Euh, ça sert à rien de leur donner plein de choses si vous ne l'ont pas demandé écoutez-les plutôt, demandez-leur réellement qu'est-ce que tu aurais besoin le plus pour voilà te, te... des fois vous allez voir que ça vous coûtera même pas d'argent en soi euh, c'est pas au niveau du salaire c'est pas au niveau des primes c'est peut-être juste voilà à faire en sorte qu'ils aient un calendrier plus flexible euh, de pouvoir par exemple finir plus tôt euh, prendre du temps le samedi pour travailler si besoin et et pouvoir finir plus tôt un vendredi après-midi des, des choses comme ça c'est tout bête mais euh, c'est extrêmement important donc à nouveau euh, si vous avez besoin même si ça vous coûte un peu n'hésitez pas à mettre de l'argent puisque vous aurez toujours un bon retour euh, Tant que vous écoutez vos employés. Ouais, ouais, ma ma ballpark estimation en général, c'est que le coût de recrutement d'un employé, en général, ça va coûter 50% de son, de son salaire annuel, ça, quelque ouais. chose comme ça. Euh, si tu si tu prends en compte euh, bah, tout le temps que tu vas devoir passer à bah, rien qu'à faire des recrutements c'est pas juste lire les CV hein, c'est juste bah, c'est aussi faire euh, une deux trois interviews à chaque fois c'est euh, une demi-heure une heure d'interview euh, en, encore une fois hein, tu reviens sur euh, sur les chiffres que je donnais euh, à la louche euh, tout à l'heure si tu comptes 100 balles par heure euh, que ça te coûte en entreprise à l'entreprise pour pour un entretien quand euh, au total tu passes 5-6 heures en entretien juste pour un candidat et que potentiellement tu vas pas l'embaucher le, après. Euh, juste le coût de recrutement, il est immense. Ensuite, le coût de formation, pendant qu'on va former cette personne, euh, qu'elle soit junior ou senior, eh ben, c'est du temps que les autres personnes vont passer à faire leur, leur travail donc tout ça c'est un investissement si c'est pour que la personne elle parte au bout de un an euh, deux ans c'est pas c'est un coût enfin si tu fais le calcul ça là ça ça, ça ça coûte beaucoup trop cher quoi et euh, ou alors en, embaucher c'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment avec les réductions de coûts etc on voit partout dans, dans la tech peut-être que les salaires étaient étaient un peu surévalués aussi il y a quelques années euh, donc c'est normal que ça que ça redescende un petit peu mais il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à vraiment essayer de, de de, de rogner à fond sur les salaires et d'embaucher vraiment au ras des euh, Et mais il y a, ben, il y a enfin, je, je connais pas mal de développeurs qui se retrouvent euh, un, deux, trois ans euh, après à se rendre compte que ben, ils ont été embauchés euh, en dessous du marché et même en dessous de, euh, de, de, des salaires qui étaient proposés mm -hmm. dans l'entreprise et qui ben, ensuite ils peuvent pas avoir des promotions euh, tous les ans donc ils peuvent pas augmenter leur salaire. donc la seule façon qu'ils ont de, euh, de revenir au prix du marché bah, c'est de changer d'entreprise ouais. et, euh, et qui est le perdant là-dedans bah, c'est l'entreprise qui a embauché donc euh, on a l'impression de faire une économie de faire une super affaire au début quand on embauche la personne on aura des pâquerettes parce qu'on va la prendre à 10 20 30 en dessous du prix du marché mais si c'est au final pour euh, pour derrière que ce que qu'on qu doit qu'on doit recruter quelqu'un euh, euh, encore et sûrement un peu plus au prix du marché en plus euh, euh, après, vraiment le, 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 au final tu, tu, vous y perdez euh, très largement. Il faut faire attention aux au calculs un peu, un peu rapidement faits. Ouais, bah, bah, la temporalité importante, surtout quand on parle d'employés, pour le cas en CDI, c'est vraiment sur du long terme qu'il faut viser et pas juste euh, voilà, tirer à l'économie euh, <laughs> dès le début. Euh, sur le long terme, vous y perdrez donc. Euh, un autre point aussi, donc du coup, à aborder, donc c'est au niveau du tooling. Donc là, je vais un peu survoler rapidement, c'est un, un peu plus technique, mais, euh, mais je pense que c'est important. Donc, euh, tout ce qui va être, par exemple, donc, Google Analytics euh, pour faire du monitoring, du coup, de votre audience, donc c'est extrêmement intéressant. Vous avez plein d'autres alternatives encore, OJAR, enfin euh, voilà, il y, en y en a beaucoup euh, qui existent aujourd'hui, mais. N'hésitez pas à passer, euh, vous n'arriverez jamais <laughs> à nouveau à parler des solutions maison. Vous n'aurez jamais une solution maison qui est aussi bonne que ce qu'ils proposent. Euh, et au niveau du prix que ça vous coûtera, à nouveau, c'est très très intéressant, surtout avec euh, tout toutes les, le, le tooling qu'il y a derrière, euh, qui vous offre, que ce soit les analyses, donc les, les funnels de conversion, euh, au niveau des pages, au niveau de savoir d'où vient votre trafic, toutes ces choses-là. Euh, vous avez aussi donc tout ce qui va être au niveau du déploiement. Euh, de vos solutions. Donc euh, à nouveau, est-ce que vous avez plutôt intérêt à avoir un sysadmin qui va s'occuper du déploiement, qui va du coup devenir un bottleneck je ne pense pas. Est-ce que vous êtes mieux à avoir vos ingénieurs qui adoptent la mentalité DevOps et qui vont s'occuper non seulement de produire leur code, mais aussi de l'emmener en production, de monitorer et d'adresser les problèmes derrière s'il y en a? Oui. Dans ces cas-là, donnez-leur des outils qui leur permettent de le faire efficacement sans avoir absolument tout faire à la main à, à commander des serveurs et avoir des serveurs qui tout dans votre bureau. Donc, passez par des, des solutions de déploiement comme Versel. Ça marche très bien. Euh, vous avez aussi accès du coup pour tous les plus gros outils derrière, que ce soit des bases de données, que ce soit des load balancers, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir taper directement chez AWS ou Google Cloud, euh, qui sont des mastodontes avec absolument tous les outils dont les développeurs peuvent rêver euh, pour pouvoir mettre en, déployer facilement leur code, le monitorer, toutes ces choses-là. Euh, voilà, c'est déjà des petits points, Julien, tu en as aussi quelques-uns. Euh, ouais, moi je voulais euh, je, je voulais rebondir sur sur tout ça, on, on a tendance à avoir aussi l'open source, parce que quand, quand je lisais les, les notes et je t'écoutais pareil, je me disais, ouais en plus maintenant il y a pléthore, enfin même pas maintenant, c'était le cas à 10 ans déjà, il y a pléthore d'outils open source, gratuits euh, qui sont trop bien et qui et c'est gratuit donc c'est cool autant les utiliser et là je dis méfiance euh, et j'ai vu ça j'ai vu ça beaucoup j'ai 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 travaillé notamment dans une dans une SS, une ESN. euh j'ai encore ça commence à dire mon âge et ceci. euh j'ai travaillé en ESN un petit peu dans dans, dans le début de carrière et, euh, et j'ai travaillé avec euh, avec un certain nombre de clients qui nous disaient ah, non, 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 on veut utiliser tel truc open source machin sauf que bah, ils utilisent donc, il, il, c'était une entreprise dont le, dont le, qui, qui avait un business model et un produit qui était pas du tout tech et qui paye une ESN pour utiliser un produit open source <laughs> et pour et pour le dé, pas seulement le, le déployer et le et le maintenir, mais aussi l'augmenter et rajouter des fonctionnalités, donc créer des modules, etc. pour ce truc open source, etc. Et... Mais le coup derrière, il est complètement, il est complètement dingo quoi. Et, et, en, et en fait, je trouve que as un peu cette idée de ah bon, on va prendre ce truc-là, on va prendre Joomla ou euh, je sais pas quoi, et qui, et qui est open source et qui est gratuit, donc c'est cool, ça va rien nous coûter en licence. Mais par contre, tu dois payer trois euh, personnes à plein temps pendant des mois pour développer ta solution. Et derrière, à chaque fois que tu veux faire une modification dans ton système, tu dois repayer, tu dois re-avoir ouais. des gens qui seront sûrement d'autres gens qui vont reprendre le code, qui vont remodifier, qui vont le remaintenir peut-être, c'était mieux d'utiliser un service, encore une fois, dans c'est le, le, métier. Il y a des services aussi qui, qui proposent juste leur solution en open source, mais qui te permettent, euh, si tu payes, d'utiliser euh, ce service-là, sauf que c'est eux qui le euh, déploient, qui le maintiennent, etc. Euh, alors, typiquement, déployer son propre, maintenir son propre cluster, Elasticsearch, etc. Oui. Euh, in-house, bah, peut-être, c'est pas, Peut-être in fine ça permettra de réduire des coûts euh, au bout d'un moment, mais il faudra se poser la question à ce moment-là. Peut-être commencer par une solution euh, déjà qui, qui tourne déjà, et qui est maintenue par 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 quelqu'un d'autre. Euh, on parle de bah, pour les métriques, enfin pour, pour pour tout. C'est très facile de tomber dans le dans, dans le piège de, de l'open source. C'est dire ah c'est gratuit, j'aurais pas besoin de payer de licence, donc je me le, je me le fais moi-même. Je voulais faire un petit mot aussi sur Kubernetes. Euh, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de plein de choses, etc. Mais si vous êtes une startup, vous n'avez pas besoin de Kubernetes. <laughs> et, je vous, et je vous dis ça parce que je l'ai fait, moi. Hein. Ok, d'accord. Euh, j'ai eu une startup up me je ah ouais mais attends, mais là ça va pas du tout parce que quand on va scaler, on en aura besoin. j'ai passé moi-même. Alors c'est cool, je suis monté en compétence sur plein de trucs et tout, c'était hyper intéressant. Mais vraiment, euh, quand tu as trois clients, tu t'es pas obligé d'avoir des microservices avec Kubernetes, quoi. Ouais. C'est souvent l'acronyme qu'on utilise en développement, mais qui est aussi vrai du coup pour ouais. les systèmes informatiques, c'est le L'acronyme KISS, K-I-S-S, -S, keep it simple, stupid, gardez le simple, stupide ou débile, même moi j'utilise en français, euh, <laughs> plus la solution est simple, plus vos ingénieurs et surtout les nouveaux qui vont venir la comprendront euh, quand vous commencez à avoir justement du Docker de partout avec des do, des, des des fichiers d'infra qui commencent à faire plusieurs centaines de lignes euh, où vous avez en parallèle et tout ça euh, vous allez passer des heures si ce n'est des jours en tant que nouveau développeur à comprendre même comment l'infra fonctionne juste pour envoyer un petit bout de code, modifier une typo et voilà, ça devient très rapidement euh, euh, un gouffre de temps plus qu'une bonne idée. Euh, surtout que dans la majorité des cas, comme tu l'as dit, euh, la solution technique est over-engineering dans le sens où on vous avez une solution technique qui est bien plus puissante ou bien au-delà, en fait, c'est on, on, on sur-délivre la qualité sans l'utiliser et c'est le pire cas possible. Euh, voilà, donc garder une solution simple efficace, <laughs> que la majorité des gens peuvent comprendre euh, avec peu de code, et vous verrez que la plupart du temps, vous gagnerez énormément en efficacité. Euh... Mmh. Ouais, C'est toujours se poser la question de est-ce que finalement... Est-ce que je crée de la valeur à l'utilisateur Est-ce est que ça m'aide à créer de la valeur plus rapidement à l'utilisateur quand on quand on arrive à une certaine euh, taille de, de de produits ou de ou d'entreprise aussi parce que c'est aussi le nombre de collaborateurs qui va qui va je trouve dicter les les, les solutions mm -hmm. qu'on va mettre en place parce que ces gens-là doivent collaborer ils doivent se synchroniser etc il faut orchestrer tout ça euh, mais est-ce que est-ce que tout ce que j'ai en place que mes solutions me permettent d'aller créer de la solution de la de la je vais y de arriver de la valeur d aller, d aller <laughs> de la valeur euh, plus rapidement euh, et plus fréquemment oui. pour mes utilisateurs Si oui, c'est très bien. Euh, sinon et ben bah, peut-être on peut avoir une solution qui va être plus simple qui va être moins coûteuse qui va être moins complexe et donc, probablement il faut commencer par là et ensuite à mesure euh, quand on je reviens sur Kubernetes quand on se rend compte que bah, on a du mal à euh, déployer rapidement à, à atteindre des deadlines à suivre euh, à, à suivre le marché euh, et à, à répondre au marché suffisamment rapidement parce que on est freiné par notre infrastructure qui nous empêche de collaborer qui nous empêche d'aller euh, d'aller aussi vite et ben bah là ça vaut le coup de d'investir de faire évoluer la solution, mais over ingénierer avant, c'est toujours maximiser la quantité de travail non faite, hein, vous avez toujours le, le, le dixième principe agile, il s'applique, s'applique tout le temps, tout le temps, quoi. Donc c'est une façon de dire qu'il ce quoi. Ouais. Et un dernier point du coup, donc euh, par rapport à, à, à l'approche pour maximiser, euh, c'est malheureusement quelque chose qui est souvent délaissé, surtout quand on est dans une startup et qu'on veut aller vite, euh, la documentation. Euh, C'est quelque chose à nouveau. C'est très difficile de mettre hein, une corrélation directe entre le temps passé à faire de la documentation et le bénéfice qu'il y aura derrière. Euh, mais la documentation est clé, surtout, surtout, surtout. Euh, si vous avez l'aspiration à grandir ou grossir euh, votre entreprise, euh, le, voilà, la documentation, personne n'en fait dans les startups. Et il arrive toujours ce moment où les ingénieurs vont passer des jours et des jours entiers à, re -docu enfin, à documenter ce qui aura été créé. La plupart du temps, il y a quelques jours, ça va. Il y a Quelques semaines, ça passe, et quelques mois, c'est difficile. Il y a plusieurs années, vous avez littéralement des bouts de code où les gens vont se dire, bah, tiens, qu'est-ce que ça peut bien faire, ce, ce bout de code-là, ou des services entiers où personne n'ose le toucher parce que c'est, voilà, c'est incompréhensible. Donc, la documentation, pensez-y dès le début. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps dessus, mais assurez-vous toujours, toujours, toujours d'en produire. Euh, c'est jamais, jamais, jamais perdu. Même une mauvaise documentation est mieux que pas de documentation. Donc, euh, donc assurez-vous toujours d'en produire. Euh, là, je parle évidemment pour le code, c'est très important, mais même si jamais vous mettez en place, par exemple, comme je disais tout à l'heure une landing page avec un outil low code ou no code euh, assurez-vous de voilà de faire un petit document de comment ça fonctionne comment est-ce qu'on a mis l'arborescence des pages à quoi sert chaque page vraiment vous mettez quelques lignes et vous le devez, comme ça vous êtes sûr que la prochaine personne qui viendra s'occuper de ça sera très rapidement Qu'est-ce qu'il en est Où aller pour faire la chose, la, la, le, la, ta, la tâche qui a été demandée Et vous allez avoir un gain de temps énorme, euh, et donc vous maximisez le temps de la personne à qui vous donnez cette tâche. Ouais, écrire de la documentation, c'est écrire une, euh, une lettre d'amour à ton toi du futur ou à tes prochains ça. collaborateurs du futur. Euh, c'est un truc que j'ai commencé à, à faire euh, un peu en perso aussi. Euh, un peu par réflexe, j'imagine, par des formations professionnelles, mais même quand je règle une guitare et que je me, je, je, je passe une heure à regarder les tutos, à dire, ah, attends, mais ça, comment est-ce qu'on fait et tout, machin. Hop, me, je marque juste quelques, quelques notes, un petit lien vers la vidéo ou l'article que j'étais en train de lire pour, pour référence. Et là, et la fois d'après, je me dis, ah, attends, mais j'avais, j'avais investi du temps à regarder comment faire et tout, et j'ai dû marquer une note, hop, je recherche un peu dans mon, dans mon notion, je tombe dessus, et là, ah. Là, c'est vraiment, vraiment, comme comme lire une lettre d'amour quoi. Tu dis putain, toi, euh, Julien du passé, <laughs> Julien du passé, t'es pas si con que t'as un air. <laughs> um, est-ce qu'on a fait à peu près le tour On a dit tout ce qu'on avait, euh, qu avait à dire. Alors évidemment, on, peut, on pourrait étendre dans tous les sens, et comme je disais, c'est un sujet qui est, qui est assez traîné en ce moment. On va s'arrêter là. On espère qu'on vous a déjà donné plein d'idées euh, et qu'on vous... Pistes de réflexion. C'est ça, des pistes de, <laughs> de réflexion. Donc n'hésitez pas encore une fois à en discuter. Euh, qui a la machine à café Qui, pendant un euh, Donut euh, Meeting sur Google Meet ou sur Zoom Je déteste Zoom. Dites-nous Commentaire, si vous aimez Zoom, <laughs> j'aimerais comprendre pourquoi. Euh, on va conclure euh, cette émission. On espère que ça vous a plu, que ça vous a plu. Avant de finir, du coup, Pierre, comme d'habitude, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial Toujours pareil, donc sur mon site pierreferret ferrandfr Et toi, Julien Et bien, Toujours pareil aussi, sur julien.desray fr et vous pouvez trouver toujours mon livre sur, euh, sur amazon how I planned my wedding with uh, scrum euh, et, euh, et puis vous me retrouvez sur euh, le podcast Relife life le podcast de l'amélioration du quotidien où on s'amuse beaucoup euh... <laughs> Et avant de finir, on voulait aussi remercier euh, le petit shout out dédicace. Euh, je ne sais pas quel est le terme exact. <laughs> Qu'on a eu dans tes cafés. Donc euh, merci beaucoup. Ouais, ouais, merci beaucoup Guillaume. Je, je sais que tu nous écoutes. On te fait de grosses <laughs> bises. Euh, et enfin, euh, si vous voulez découvrir comment euh, maximiser votre impact et celui de votre équipe, si vous pensez qu'on peut vous aider avec euh, quelque chose au travail, et bien vous allez sur tech-ronins avec un s.fr et vous nous contactez. Et puis on, on aura un petit call tous ensemble. Et puis on verra comment on peut euh, comment on peut vous aider. Tout à fait. Et prenez soin de vous, vous. Prenez soin de vos équipes. Salut Pierre. Salut Julien.